Et salut à tous, ici Sprilex et bienvenue dans ce 43e épisode de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Dans cette vidéo, nous allons continuer un peu d'exploration et je vous propose de visiter la zone qui est ici. Donc la zone qui est là, qu'on n'a pas encore visitée. Je vais d'ailleurs légèrement enlever le chat Twitch pour l'instant. Donc la zone ici, parce que d'une part, ça fait un gros trou noir sur la carte, et d'autre part, je me dis que puisque j'ai fait le domaine Zora et le et Ordi, enfin que j'ai fait ici, comment ça s'appelle, l'Anel et Ordine. Pourquoi je ne ferais pas la région qui est entre deux? Donc pour cela, on va aller ici. Très bien. Ok, on y va. Donc à partir d'ici, on va jusqu'au ranch, enfin jusqu'au relais. Très bien, on demande notre cheval. Emmener un cheval. Alors, Winouche. Oui, je veux Winouche. Ok. Parfait. Alors, Winouche, tu es où? Tu es là. Ok. Donc, on doit réussir à aller dans la montagne qui est là. Pour cela, j'entendais plouc plouc plouc. Ah ouais, il y a un mâche juste là, on va faire attention. Alors, il y a des beaux goblins ici, qu'est-ce qu'ils sont occupés de taper? Je peux pas laisser faire ça. Yep. C'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais voir si... Ah d'accord, c'est parce que j'avais pris la lame de feu. Sérieux? Bon, on recommence. Ok, on a les deux sœurs qui sont là. Je prends le boomerang des ailes. Aïe 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 aïe, il pique un peu.
Alors on va mettre... Et non, je partirai. Voilà. Oh, qu'est-ce qui est moche. Qu'est-ce qui est moche sur cette photo. Il est déjà moche d'habitude, mais là... Voilà. J'ai eu du mal. Alors, tu te lèves. Oui, ils nous ont attaqué par surprise, c'est pas du jeu. Enfin, quand on parle qu'il y a d'autres truffes, Max, on risque sa vie à tous les instants. Ok. C'est bien ça, c'est les deux frangines qui bouffent la truffe Max. Ça va. Alors, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux un autre village Goron, blablabla. D'accord. Tout simplement. Alors, on avait dit qu'on allait, si on pouvait, prendre un chemin à gauche. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Donc, qu'est-ce qu'elle nous veut? Ah, voyageuse, d'accord, c'est... Je cherche un mot de 4 lettres qui commence par li... lime. Une lime à ongles ou une lime pour s'évader de prison? Je ne crois pas que ce soit ça, tu n'es pas vraiment un fin limier, hein. C'était quoi déjà? Allez, Link. Oui, c'est ça, il paraît que c'est le prodigilien. Mais, c'est toi, Link. Prépare-toi à mourir. Bah oui, bah tiens. Alors, c'est simple. Quand il s'appelle voyageur ou voyageuse, c'est forcément un Yiga. Aïe aïe aïe. Je me fais démonter. Mais c'est pas possible. Il se fout de moi. Mon cheval? Non mais... Alors hop, voilà. Il se téléporte, il se téléporte. Il va courir. Yep, au-dessus de moi. Ok. Je vais me prendre à manger là parce que je le sens mal. Ok. Là, il est loin. Il va foncer. Voilà. Donc il se téléporte loin maintenant. Il recule. Moi, hop. Mais quand tu dois taper, tu sautes. Quand tu vas sauter, tu tapes. Allez. Voilà. Dans la douleur, mais j'y suis arrivé. Très bien. C'est bien, il m'a arrêté juste au bon endroit. Au moins, ça m'aura servi à ça. Mmh.
Non, comment ça non? Tu peux utiliser ma prière à tout moment. Alors, il y a la tour qui est juste en face. C'est très bien. D'ailleurs, on va essayer d'y aller rapidement. C'est le cheval qui a choisi la direction, mais c'est très bien. Alors, il y a un coffre ici à récupérer. Voilà. Déjà, on l'entendra plus faire des tu-du-tu-du. Pour la baston. Ils sont aveugles, ma parole. Oh. Oh, 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 oh. Je te protégerai. Violent. Ah, au moins. T'arrêtes de lancer des cailloux, ouais. Je t'ai autorisé à ça? Non. Aïe. Bon, toi, tu fais déjà beaucoup moins mal que ton collègue. Mais tu fais mal quand même. Eh oh, il me chargeait. Voilà. Je peux pas, si je peux. Bon, c'est pas dans le chevalier, j'en ai déjà un. On peut prendre le coffre. Cinq flèches explosives. Non, c'est ça. Et on va pointer. Voilà. Il n'y a rien de plus à péter ou à ouvrir. Y a rien de plus. Ok. On reprend son cheval. Allez, Winouche. Viens voir papa. Et c'est parti. Alors, on avait la tour. Qui est juste là. C'est au perché. Oh. Il y a de la bestiole que j'aime pas trop. Et d'autres bestioles que j'aime pas trop. Carrément. Mais je ne sais pas où. Il y a des chauves-souris
à tuer. Très bien. Mais donc forcément... Ok. On continue. Alors ce qui est bien, c'est que comme j'ai le saut de... de Revali. Excusez-moi. C'est les rhumes des foins qui commencent. Ça y est. Non, lance à pointe mobline. Bon, j'ai déjà ça. Alors, ces machins, ok, c'est vraiment en dessous, là où il scanne, qu'on se fait repérer. Donc, si je viens ici, il n'y a pas de souci. Très bien. Et je tenterai bien même de... Bon, ça le repousse, mais sans plus. Alors, qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Crabe grillé, perche grillée et les rues. Ok. Oh, oh, oh merde, il m'a pisté, il m'a pisté. Eh ben si, il m'a pisté. Aïe. Un bouclier en moins. Raté, un deuxième bouclier en moins. Raté, troisième bouclier en moins. Et il a arrêté de me cibler. Bon, j'ai essayé de lui renvoyer son laser, mais... Ok, alors on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et encore un peu Goblin. Vol. Ouais, à de cette hauteur, il pourra pas se relever. Bon, on va y aller calmement. Ça va, il ne m'a pas pisté. Alors, à partir d'ici, je vais grimper ici. Et je vais utiliser après mon sort pour pouvoir grimper plus haut. Mais quoique je l'utiliserai bien quand je suis en haut pour pouvoir monter à la tour plus facilement. Alors. Oh. Je viens de comprendre. Non. Voilà.
Hop. Mais. Bon. Bah, ça marche moyennement, hein. J'ai peut-être compris, mais. Voilà. Bah, dans ces cas-là, on va tenter plutôt avec ça. Ah, c'est pas bon. Allez, je me cache. Allez, cache-toi, cache-toi, cache-toi. Bon. Troisième essai. Flèche en bois. C'est raté aussi, ok, bon bah. Allez, barre-toi. Voilà. Non, 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 tu ne m'as pas vu, je ne suis pas là. J'entends de la corruption. Oh! Et la tour est juste là. Alors, comment on va faire ça? Proprement, de préférence. Donc on fait attention à ne pas se faire pister par les machines. Alors, il y a de quoi cuisiner, donc là. Ok. Alors, je peux tenter de sauter et d'arriver là-bas. Il y a un goblin. Flèche de feu, ok. Très bien. J'ai encore entendu un gros goblin. Tu peux
utiliser mon donc bouclier. Je peux grimper là, je peux grimper là et ensuite c'est corrompu. Ok. J'ai entendu un petit cochon. Hop, il y a un œil ici. Très bien. Un coffre. Sans rubis, c'est pas négligeable. Cochon, mais je ne le vois pas. Doucement. Link, tu réagis pas comme il faudrait. Allez, hop, tu remontes dessus. Tu grimpes là, sur le mur, voilà. Ah, il est là. Et voilà. C'est bien, c'est mieux. C'est plus propre. Alors, on continue. On arrive là. Attention, c'est corrompu là. Comment je vais faire pour passer? Ah, je peux aller là-haut. Attention quand même, c'est corrompu. Non mais, Link, qu'est-ce que tu me fais là? T'étais en haut. Pourquoi t'es redescendu? Ah, il commence à pleuvoir en plus. Bon, ça sert à rien. Quand il pleut. On va retirer. Voilà, on retire l'arc aussi. On retire l'armure de métal. Voilà. Et on retire l'arc en métal. Parfait. Au moins là c'est sûr, j'attirerai plus la foudre. Ensuite, faut voir, faut essayer de grimper là-haut. Donc, si je vais ici au-dessus, normalement, je serai touché pour éviter la corruption. Là, c'est pas assez haut, faut vraiment que ce soit là. Par contre, tant qu'il pleut, ça le fait pas. Et on est au début de la tempête. Essayer quand même de grimper. C'est pas grave, on recommence. C'est très bien. Non mais t'étais bon, Link. Qu'est-ce que tu me fous?
Alors, on va vraiment attendre que cet orage passe parce que c'est vraiment la galère. Alors tiens, est-ce que... Ah ah, ça, ça peut être utile. On recule un peu. Voilà. Comme ça, ça peut me servir de pont si je le pose bien. Hey, c'est du bon, ça se prue. Yep, voilà. Non, qu'est-ce que tu me fous là? Allez, hop, voilà, très bien. On y va, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Un peu plus chaud, voilà, très bien. Tablette Shaker reconnue, activation. Ok. Alors, on va un peu voir les environs. Déjà, voilà. On parle à qu'est-ce qu'il y a ? Ce sanctuaire que j'ai déjà pointé. Là il y a quelque chose. Ah. Non, j'y arrivais. Là il y a quelque chose, je ne sais pas quoi. Ok. Là-bas, il y a un sanctuaire.
On va le pointer. Ok. Et je n'en vois pas d'autres pour l'instant. Très bien. Eh bien, soit. Je vais faire ce sanctuaire juste là en bas. Alors, sanctuaire de Jizu Kafi. Ok. Très bien. On continue. Parfait. Alors, hop. Voilà. Mécanisme de Jizu Kafi. Ok. Alors. Examiner. Ok. Voilà. Tout simplement. Pas compliqué pour l'instant. Voilà. Voilà. Alors, il y a du laser, il y a du laser. Aïe. Je peux pas passer en dessous. Très bien, alors on va taper. Ok. Donc à partir d'ici, il faudra tirer à l'arc. Alors, comment avoir ce coffre? J'imagine qu'il faut tirer à l'arc aussi. Ok. Ok. D'accord. On y va. Non, mauvaise idée, mauvaise idée. Raté. Voilà. Alors. C'est parti. Ah, j'y étais. J'y étais. Nom d'une pipe. Pour être poli. Ok. On est parti.
Mais il saute pas à temps. Bon, hop. Petit suicide. Et bien sûr, je recommence d'en bas. Très bien, on y va. Voilà. Bon, lance d'écailles, c'est quoi, lance d'écailles radieuses? Non, lance d'écailles tout simplement. Hop. Ok, on arrive là. Il y a derrière la sortie, mais avant on vient ici. Ok, je dois mettre une boule sur chaque Allez. Allez. Voilà. Parfait. Très bien. Et on va encore faire donc le sanctuaire suivant qui se trouvait de l'autre côté. Très bien, continue, avance. Alors, déjà j'avais vu qu'il y avait un relais juste ici en bas. Donc ce par quoi on peut commencer, c'est voir dans ce relais ce qu'il y a comme quête. T'as l'air louche, tu veux quoi? Je suis pas louche. On verra. Je suis en train de réfléchir. Tu veux bien me laisser tranquille? Ok. Alors, là-bas, qu'est-ce que c'est qui brille? Ah, des fagots de bois. Ça me sera utile. Alors, une torche. À part le vendeur. Alors ici. Yo. Sois le bienvenu dans notre relais, voyageur. Tu es ici chez toi. Si tu m'amènes un cheval, je peux changer son harnachement ou bien s'occuper de sa crinière. Nous ferons tout pour que ta monture et toi passiez un bon séjour parmi nous. Très bien. Alors, il y a quelqu'un ici avec un mouton. Bonsoir. Oh. Ah. Oh.
vous êtes un client? Bah oui. Ah, très bien. J'ai entendu une rumeur à propos d'un type louche appelé Kilton qui rôderait près de l'étang du crâne au nord d'ici. Si ce que j'ai entendu est vrai, il possède un magasin appelé l'Antre des Monstres et ne se montrerait que la nuit. Il paraît qu'au relais de l'Est d'Akala, au nord, il recrute des soldats pour se protéger. Faites attention à vous. D'accord. Il y a des cocottes. Il y avait des moutons. Il y avait un chien. Mais il n'y avait pas de quête. Par hasard, il y aurait un corbeau là-dessous. Ouais. Rien du tout. On va faire péter quelques caisses. Presque que dalle. Flèche en bois. Allez. C'est bien. Il y a encore quelque chose ici. Un gland. Deux heures du mat. Et peut-être pour ça. Il y en a beaucoup qui dorment. Hop, bienvenue. Hop, non. J'ai changé d'avis. Je vais juste patienter à côté du feu. C'est moins cher. Jusqu'au matin. Ok. Très bien. On va toujours occupé de réfléchir. Alors lui. Oh. Hey, t'es pas du coin, si? Ben, je suis un voyageur. Je vois. Mais. Tu es arrivé tout seul dans ce trou paumé. Toi, mon gars, t'es balèze, non? Ouais, je suis balèze. Par contre, la modestie, c'est pas ce qui t'étouffe. Enfin, passons. Moi aussi, j'aime manier l'épée, mais là, je suis un peu dans une impasse. Enfin, c'est juste parce que mon épée que j'utilise en ce moment est émoussée. Alors je me suis dit que si je pouvais mettre la main sur l'épée légendaire, je pourrais faire des progrès, tu vois? L'épée légendaire, ouais. Elle se trouve quelque part aux alentours de la montagne de la mort. C'est ce que j'ai pu apprendre. Mais on dirait qu'elle n'est pas de ce côté. Peut-être que je vais aller voir du côté du relais de la forêt, sur l'autre versant. Phew, je devrais peut-être aller vers le relais de la forêt, moi. Ouais, enfin... Voilà. Gamma qui dort toujours. Bon, ok. Si c'est comme ça... On vient jusqu'à la tour d'Akala. Et on va jusqu'à l'autre sanctuaire. Ok. Donc, par là. Et c'est parti. J'espère juste avoir assez d'endurance. Non, je vais en manquer. Tiens, c'est bizarre. Cette cascade, le bas de cette cascade était plus vert il y a quelques secondes.
Ou au moins que c'était juste un effet, une illusion d'optique. Alors, on y arrive. Oui, sanctuaire à proximité. Si je pouvais atteindre, non, je n'arriverai pas. Voilà. Très bien. Frapper tout simplement, c'est trop compliqué. J'aimerais comprendre. Voilà, on arrive au sanctuaire. Oh non, c'est des flèches de feu quoi. C'est fini de tourner. Voilà. Attends, attends, attends. Voilà, allô. J'ai un cheval gratuit. Je pensais aller l'enregistrer. Et bien entendu, comme je l'ai promis, je vais l'appeler Dams. Mais, non, non, mais pourquoi t'as sauté, Link? C'est pas ce bouton là. Allez, mais saute pas. Allez, vas-y. Non, mais si tu restes là, tu seras bloqué, hein. C'est pas ce bouton-là, Link. Enfin, Stru. Cheval est foutu, il est perdu. On n'en parle plus. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'on va arriver devant l'entrée de ce sanctuaire. Et puis basta, on arrête pour cette session de jeu. Parce qu'on est déjà presque à la limite que j'ai fixée, qui est de 1 heure par session.
Allez. Je te protégerai. Oh, tu viens là. Voilà. C'est bon, le cheval, on le laisse partir parce que c'était pas un uni. Alors, on active le sanctuaire. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Alors, lâchez un commentaire et un like pour me faire savoir si ça vous plaît toujours. Attention. Voilà, et on s'enfuit. Donc je disais, lâchez un commentaire et un like pour ça, pour me faire savoir si ça vous plaît toujours. Quoi, il n'est pas fini. Voilà. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos de la chaîne. Partagez ces vidéos sur les réseaux sociaux. Sur ce, eh bien, je vous dis, portez-vous bien. Bye.